évidemment, c'est un Américain. Et quand un Américain s'élance dans une file dans les championnats du monde, tout peut arriver. Ça s'est déjà vu à Barfix aux Jeux Olympiques de Barcelone. Ouh là 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 là, oui. Tout peut arriver et ça dérive un peu. Ça tremble un peu, mais c'est très très fort. Regardez, croire très, très fort, mais à l'horizontale. Il est tordu. Oh, mais il remonte de très très loin, il est parfaitement à l'horizontale et revient jusqu'à l'équilibre. Ouais, non, il est très fort, mais... C'est un spécialiste aux anneaux, on ne le verra certainement pas non plus. Non, non. Alors, regardez, mais il ne sait plus où il est. Oh là là. Il ne travaille que qu'est-ce sur qu'il est engins. On ne sait pas. Il peine, mais il se bat. Il se bat. Il est toujours un peu à la dérive. Regardez, il penche à droite. Et ah, c'est fort, hein. Oui, bah... Il en fait ça chez lui tous les jours. Hein. Voilà, gros concours de force, mais bon, c'est pas très très net. Et il a son supporter, portoricain. Oh, il n'est pas content, hein, Svetlana Korkina. Pourtant, elle prend la tête, 9787. Ah, et bien derrière, il y a Isabelle Severino, Dominique Daves. Et surtout la chinoise Liu Xuan avant de voir Elvire Teza. Ah, celui-là, il est costaud. Hein. Oh là là. Fort comme un taureau, mais ça tremble un petit peu. Et on sent qu'il force sur son visage. Et ça, c'est pas bon pour l'impression. Non. Il doit épater ses copains au gymnase, mais là, pour impressionner les juges, c'est pas évident. Hein. Il faut surtout rester impassible.